Coucou, bonjour à tous. Je reviens vers vous aujourd'hui, nous sommes le 17 mars. J'avais trouvé 2-3 petites bricoles à Noze, rien. Franchement, rien du tout. Je suis désespérée de ne pas trouver les dyes. Enfin, vous savez, les fameux dyes et tampons de rouage, de tricot, etc., 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 de Noze. Et puis là, c'est pas aujourd'hui qu'en ce moment qu'on va les trouver, parce que les boutiques sont toutes fermées. Voilà, donc ces achats ont été faits la semaine dernière. J'y avais été dernièrement pour voir si je pouvais trouver donc ces dyes et ces tampons que je cherche, donc de la marque Essentiel et Grunge. Voilà. Il n'y avait pas, hein, comme d'habitude. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment pas grand chose. Je voulais quand même partager avec vous. Alors, je vais commencer par cette grille. Je pense que c'est une grille d'aération. Moi perso je vais l'utiliser en mix média. J'ai une petite idée derrière la tête, donc 2,99€ la grille, donc voilà, donc à voir si je pourrais la démonter ou pas. Enfin bon, je regarderai ça hors caméra. Donc une grille normalement pour faire passer l'air, moi je vais l'utiliser en mix média. Hop, voilà. Ensuite j'ai trouvé des petites fleurs, donc petites fleurs comme ça en tulle et tissu, donc assez jolies. J'ai payé ça 79 centimes. Voilà. De la marque Joless Boutique. Voilà. Donc, je les ai trouvés assez sympas. Donc, j'en avais trouvé 2 paquets comme ça. J'en ai déjà utilisé. Donc, là, vous voyez, il m'en reste une. Donc, derrière, ça se présente comme ça. Voilà. Donc, une comme ça. Pour rester dans le tissu, j'ai trouvé ces jolis marrons. Donc, il n'y en avait qu'une. Donc, je l'ai pris. Voilà. Donc, tout en tissu un peu assez fin. Voilà. 79 centimes aussi, donc de la même marque. Et j'ai trouvé un peu sur le format tricot. Tricot napperon. Voilà, donc j'ai trouvé en blanc comme ça. Donc au départ, ça valait 2 euros. Et du coup, ça m'a coûté 79 centimes. Voilà. Et dans le même esprit, un peu, voilà, un peu cousu, enfin tricoté, on va dire. Donc la même couleur, 79 centimes également. Donc là, il y en avait 2, donc j'en ai pris 2. Voilà pour ça. Et ensuite j'ai trouvé des charmes, alors des charmes comme ça, forme bouteille, ça peut faire penser bouteille à la mer, bouteille voilà pour le nouvel an par exemple. Enfin bref, j'en ai trouvé 2 paquets de 6 charmes. Voilà. Et par contre je n'ai pas le prix, donc je ne serai incapable de vous dire combien ça m'a coûté. Sur le même esprit, chaussures. Voilà, je me suis dit bah pourquoi pas, donc j'en ai pris 3 paquets, un peu le style des bouteilles, mais en chaussures. Et pour finir, j'ai trouvé, donc toujours pas le prix non plus, hein, je ne saurais pas vous dire, j'ai trouvé ceci, alors je ne sais pas du tout le nom, ils appellent ça breloque. Donc en fait, c'est 2 motifs différents, voyez. Mais je vais essayer d'en ouvrir un. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc il y a un anneau là au-dessus, ici, pour accrocher quelque chose, mais vous pouvez aussi passer quelque chose dedans. Vous voyez, c'est creux de chaque côté. Mais ça avait un nom, mais j'arrive pas à me souvenir en fimo le nom de ceci. Non, j'arrive pas à me rappeler. Enfin voilà, donc il y avait ces 2 petits paquets là qui traînaient dans le bac. Bah, je les ai pris. Par contre, je serais incapable aussi de vous dire le prix. Voilà, bah voyez, Noze, j'ai vraiment rien trouvé. Je suis vraiment déçue de ne pas réussir à trouver les dyes et les fameux tampons là, que tout le monde parle sur YouTube. Voilà. Bon, c'est où je les trouverai un jour ou pas du tout. Et puis là, vu la circonstance actuelle, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Voilà, sur ce, je vous laisse. Petit haul Noze, hein, comme je vous ai dit. Voilà, et puis bah, juste après, je vous retrouve pour un haul Horizon Créatif. Voilà, sur ce, je vous laisse. Gros bisous. Bye bye.